Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne officielle. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes dans le secteur de la ligne de production de moteurs industriels généraux Sovelmash. À présent, les travaux de mise au point sont en cours dans cette zone-là. À noter que nous sommes arrivés ici à l'heure du déjeuner, quand une partie du personnel prend sa pause d'environ une heure, bien qu'en fait, cette pause s'achève habituellement plus rapidement. Des travaux d'installation de réseaux électriques se poursuivent. En général, à ce jour, les ouvriers effectuent beaucoup de travaux dans différentes directions. Les travaux de finition dans le bâtiment administratif et technique sont en cours, ainsi que les travaux avec le système de ventilation. Les ouvriers travaillent à la fois au rez-de-chaussée, au premier étage, ainsi que dans l'entresol. La peinture du plafond du rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique est également en cours. À noter que ce sont les travaux prévus par les documents du projet, ce qui signifie qu'il s'agit de la finition aussi. De plus, les travaux de mise au point sont en cours dans le secteur de la fonderie, les travaux de pose de carrelage se poursuivent et beaucoup d'autres tâches sont également réalisées. Parallèlement, les ingénieurs de Sovelmash poursuivent les travaux de développement des moteurs industriels qui seront produits en série. Il est également à noter que le travail sur les meuleuses d'angle est aussi en cours. En ce qui concerne les travaux effectués à l'extérieur du bâtiment, je tiens à noter que des travaux de terrassement sont en cours et l'aménagement du site du BTUI se poursuit. Nous nous préparons à effectuer le raccordement de nos réseaux d'égouts pluviaux aux réseaux centraux de la ZOS, ce qui sera effectué directement sous la chaussée. Nous nous préparons également à la pose de lignes d'approvisionnement en eau froide sur le côté droit du bâtiment. Il est à noter que pour que tous ces systèmes soient installés et bien connectés et qu'ils commencent à fonctionner déjà selon le schéma de connexion de base, les ouvriers s'occupent maintenant de l'installation des tuyaux à l'intérieur du bâtiment. Le système d'extension d'incendie de type Splunker a déjà été installé. À vrai dire, je peux parler assez longtemps de tout ce qui se passe sur le chantier. Mais je veux souligner que tous ces travaux importants ont été réalisés principalement grâce au flux d'investissement qui est assez élevé. Par conséquent, plus ce flux sera important et plus le rythme d'investissement sera élevé, plus nous pourrons effectuer de travaux afin d'aborder l'hiver avec confiance. Parce que pendant la saison froide, nous ne pourrons plus aménager le terrain ni effectuer un certain nombre de travaux de terrassement. Par conséquent, il est très important de terminer tous ces travaux le plus vite possible et de connecter le chauffage pour pouvoir attaquer l'hiver le mieux préparé possible. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Restez au courant de tous les événements du projet Sovelmash, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et à bientôt.